samedi 7 jours qui se passent là, et bien département de la recevoir tout le gouvernement la CAI. 8e édition gouvernement la CAI qui fait dans la commune en Savon. Côté que c'est le président républicain, son excellence Michel Joseph Pantelli, c'est lui-même qui te bail pour d'envoi 8e édition gouvernement la CAI. Le ministre PIA, son excellence Laurent Salvador Lamotte, et bien lui-même, accompagné de toute ministre, Yote Chita, le gouvernement la CAI, la commune en Savon, il était capable, premièrement, dit en deux communes, dans le département de tout ça que le gouvernement a fait, que ce soit dans le secteur social, le secteur agriculture, le secteur commerce, que ce soit dans le secteur tourisme, parce que dans le département ça a gagné Sodi Baril, qui c'est un bel côté, côté que le monde a visité. Le ministre touriste a été présenté tout ça qui a fait dans le secteur ça pour capable de rehausser le secteur touristique là, dans le département de le premier ministre, il était prétendu pour être capable de visiter tout le département. Il prétend, il passe dans plusieurs communes, il passe dans Petit Oudeni, il passe tout dans la commune de Savo, il allait dans plusieurs secteurs en dedans, parler avec plusieurs secteurs pour la population pour être capable de comprendre bien qui le problème que Mounsaïa a confronté et comment est-ce que le gouvernement parle là capable de venir en aide à tout. Aujourd'hui, le premier ministre et le commissariat en Savo, côté que l'IA a promis une quantité de motos, ils sont capables d'aider nous là, et puis deux pick-up pour capable de permettre que la sécurité blaye en dedans de la commune. C'est-à-dire que son une stratégie de renforcement de la police dans tout le pays. Et donc, tout véhicule pour le distribuer à travers le pays, j'en ai fait le jour aujourd'hui. Il va le distribuer bah, pratiquement tout commissariat à travers le pays pour être capable de faire. Ça, c'est un effort en plus qui fait parce que nous connaissons que la police a un problème même dans l'uniforme. Donc, CSPN est réuni et il y a un nouveau uniforme. Nous travaillons sous armement, il y a un bon équipement pour le travail. Nous avons travaillé sous communication. Parce qu'il faut que le cap communique. De toutes les façons, il y a un seul objectif. L'objectif, ça, c'est que le peuple a senti libre pour le cap marcher, pour le cap fonctionner, pendant que les bandits avec Zenglendo, drogue dealer, senti que eux-mêmes, ils ont un problème. Donc, c'est ça l'objectif. C'est qu'il y a une pression sur les bandits, qu'il y a une pression sur les criminels, et puis pour que le peuple lui-même soit capable de vaquer normalement l'occupation, soit capable de fonctionner librement. Et c'est ça que nous voulons. Nous voulons créer des jobs dans le pays. Pour être capable de créer des jobs, il faut que l'investisseur, les gens qui viennent créer un emploi lui-même, les sentir que la banque est dans un pays qui est sécurisé. Et il y a un point principal pour que les gens sentent sécurisés, le peuple et l'investisseur, c'est la présence de la police, c'est la visibilité de la police. Et nous avons gardé tout problème d'énergie dans le commissariat, côté que nous mettons plusieurs inverteurs, panneaux solaires déjà pour que. Pour nous capables de servir le commissaire, nous allons faire même bas à la ICA, nous allons faire même bas à la Titou de l'Indéa, nous allons faire même bas à la Miragouane, nous allons faire même bas dans différents commissariats avec ce commissariat dans la zone. Encore une fois, pour que les policiers à lui-même les sentent à l'aise, pour que les capables de faire travail, qui c'est sécuriser le département, sécuriser la commune en Savo, sécuriser tout le reste pays. Donc nous-mêmes, nous toujours à chercher voies et moyens pour que nous courir la police, pour nous renforcer la police à sentir que les pieds. En mesure pour bailler la sécurité. Et en total, nous sommes peut-être à 2, 3, 5, 7, 8 et 11 véhicules. Et moto, ça fait environ 10 plus 8, ça fait 18 policiers. Fonctionnels et flambants. Le peuple a une garantie avec effort, ça, avec soutien ça, que le gouvernement a porté pour nous et qu'il y a besoin de sécurité que le pays pour nous. C'est la population qui paye. Parce que si la police a touché, c'est soutien, c'est taxe population qui paye la police. Donc nous voulons travailler pour que la police a rempli une mission considérablement qui est protégée et servie. Dans quatre visites dans le département, le Premier ministre, accompagné de sénateurs privés, députés libéraux et plusieurs autres parlementaires, et bien, ils font virer dans le petit déjeuner pour être capable de garder ce qu'ils ont fait en dedans de petit déjeuner. Et bien, le sénateur privé lui-même, accompagné du Premier ministre, il a dit que comment est-ce que élu avec tout gouvernement doit mettre tête ensemble pour capable de servir le peuple. Ça a toujours rentré dans quatre gouvernements à la CAIO. Nous connaissons que en Savo, le département NIP à l'honneur week-end, ça veut dire que toute attention nous c'est sous le département NIP. Et là nous Titou et nous t'es en Savoyeur. Donc objectif là c'est qui ça? Objectif là c'est premièrement faire une supervision de tous les travaux que fait yo. Journée aujourd'hui à nous inaugurer petit terrain multisport ça et nous d'aimer remercier groupe Jean Vob qui fait don de terrain ça après que nous t'es discuté avec eux, ils t'es accepté, ils t'es fait don et ils travaillent en pile avec sénateur privé pour que terrain ça avec député Luben pour que terrain ça vienne une réalité.
Donc, c'est pratiquement une équipe. Nous, que son équipe qui travaille de manière unie pour le développement du département. Parce que c'est ça qui compte. Matin, nous faisons rencontre, nous parlons de l'eau, nous parlons de terrain, football, nous parlons de stade. Et dans Miragua, nous avons commencé à finir que nous allons débloquer. Parce que tu as des petits problèmes. Donc là, nous avons parlé avec FIMNA pour que nous débloquions tout problème pour que, encore une fois, dans les prochaines 4 à 8 semaines, là, pour que ça soit débloqué, pour que le terrain lui-même, stade Miragua, soit capable de continuer à faire. Mais l'important, c'est que l'action est faite. Et nous-mêmes, nous avons des critiques pour nous corriger, si nous avons corriger. Donc c'est ça qui est important, c'est que si pas de action, pas de critique du tout, ou bien de critique qui est imparfaite. Donc plutôt que de critiquer ça que fait là, pour nous corriger, pour le peuple la jeune, pour le peuple la satisfait, parce que je crois que c'est l'objectif de tout le monde, c'est que ce soit sénateur là, que ce soit député, que ce soit délégué, que ce soit député là, il y a un seul objectif, c'est satisfaction, moun yo ki la, population là, pour le peuple la satisfait. Hier, moi j'étais accompagné premier ministre avec le président dans le lancement du gouvernement de la CAI dans le NIP. Pour moi, c'est un espace qui permet que le gouvernement vienne mais qui ça l'a fait, mais qui permet toute population exprimer les principales préoccupations. Par exemple, à travers le gouvernement de la CAI, il est porté à la connaissance des autorités que grand pile rivière dans le NIP, débit de a baissé si c'est pas séché ou séché. N'a vinn là nous voyons que moun yo c'est un petit galon. Il y a personne un tuyau pour joindre goutte d'eau. Donc un problème de l'eau potable très sérieux en dans département ni plan. Ça doit exhorter gouvernement sur la nécessité de réaménager les bassins versants et de accélérer processus reforestation pays. Moun dans le département NIP, dans la commune Ansavo, dans la commune Petit-Trou de NIP, dans la commune Petite Rivière de NIP, dans 11 communes qui font partie du département ça, qui c'est 10e département, son département qui fait qui est tout jeune, ils ont tous été contents, oui, président pays à son excellence. Jean-Joseph Martelly, accompagné du premier ministre, son excellence Laurent Lamotte et tout le même gouvernement qui était venu chita dans la commune Ansavo pour être capable de tendre doléances population, mais surtout montrer qui sa gouvernement a fait en dedans département. Et je ne dis pas là, policiers qui l'ont commissariat en savon, ils ont gagné un bon outil dans le mail, ils sont capables de patrouiller la commune et l'autre section communale qui est à côté en savon pour blâmer la sécurité dans toute commune en savon. C'est comme ça que le premier ministre a li compté marcher, jouer le peuple. C'est ça, but, c'est le travail, c'est le président pays à Bali, c'est marcher, jouer le peuple pour capable de connaître qui a besoin de la population et qui, lui-même, avec faible moyen, le gouvernement gagne, comment est-ce que il est capable de résoudre le problème de la population. Technicien, c'est toujours Jackson Desimond, monteur Valérie Rémus. C'était Journée Gouvernement.